Bonsoir, parce que là on est en fin de journée et je vais finir la lecture d'Au secours. Et si jamais Alban regarde, j'ai enlevé mon vernis. Donc vous vous souvenez, il y a un monstre, une bête velue qui attaque Ostendre, le village d'Ostendre, où il y a plein de squelettes qui vivent. Mais que fait la police? S'indigne le Nouvel Os, le quotidien local. Vite qu'on en finisse avec les crimes atroces de cet ogre bestial. Avant-hier, son passage aux sources de calcium où les eaux prennent les eaux a fait de gros ravages. Côte, lombaire, sternum, 15 curistes, KO. Hier, à nouveau, carnage au cirque Medranos. Bilan, 30 blessés. Clown, jongleur, écuyer, dresseur d'oslo en cage. Chacun y laisse un os. Et cet après-midi, au Stadium Omnisport, lors du match de rugby, 105 victimes encore. Chaque fois, Cher Los est là et chiffre les dégâts. Sais pas si on voit bien. Détective, bouge-toi! Ce n'est pas en comptant que tu réexpédieras ce monstre à son néant. Patience, ami squelette, j'ai fini de compter. Un coup de calculette et l'affaire est réglée. Le calcul est vite fait. Du cubitus premier à ceux de la pelouse, 211 os volés, quand un squelette complet en compte 212. Que des os différents, la bête est sélective, s'écrie le détective, qui courageusement risque son astragale pour piéger l'animal. Ce petit os du pied, seule pièce manquante à l'horrible collection, suffit à appâter la bête terrifiante. Grosse surprise, attention! L'astragale, donc, c'est un os du pied. Et cher l'os? Il met son os du pied dans un piège. Ah, que va-t-il attraper? Là-dessus, des taillis, un inconnu jaillit. Cet élégant squelette, c'est le docteur Watos. Le melon sur la tête sans chair, mais bien en os. Il va falloir admettre que votre affreux péril n'était rien après tout qu'un brave gros toutou qui recherchait son maître éparpillé en ville. Watsos, mon bon vieux compère, je vous croyais sous terre. Cher Lososme, diable d'os, vous revoir, quel cadeau! Je vais vous raconter l'odyssée du docteur Watsos. Traversant le noir océan en compagnie d'autres squelettes, je fus jeté dans la tempête par les rafales d'un vent méchant.
Dans les cales du gros bateau, roulant, plongeant comme une pierre, il y eut un grand mélange d'os, une macédoine meurtrière. Plus un seul os n'était le mien quand je touchai enfin la terre. Pauvre squelette aux quatre coins, dispersé de mille manières. Sans l'entêtement de mon clébard, le bon Fidos de Baskerville, mes os seraient encore épars parmi les gens de cette ville. Mais tout est bien qui finit bien. Vos os à vous attendent ici, dans ce gros sac en toile de lin. Servez-vous donc, mes bons amis. Squelette, méditez. Vos pires cauchemars peuvent parfois ne cacher qu'un brave vieux bâtard. Voilà l'histoire. Ah, c'est pas tout à fait fini. Puis ils sont repartis vers de nouveaux mystères, chien, docteur, détective. Ostende reprend sa vie de ville d'os prospère où jamais rien n'arrive. Voilà, c'était l'histoire assez amusante d'os court, mais qui, quand même pour les plus grands. Et justement, les plus grands, est-ce que vous avez retenu combien nous avons d'os dans notre squelette? À vous de me dire. À demain.